Attends. Mangez au moins. 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes. Par jour. Hey les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien et on se retrouve sur Les Simpsons et Terren. Hey. Donc voilà les amis, ça fait vraiment très plaisir de vous faire cette vidéo découverte. Enfin, ça fait 3 semaines que je voulais vous la faire. Je vous avoue que j'ai beaucoup de vidéos à tourner en ce moment, que ce soit sur le catch, que ce soit sur les vidéos récentes que j'ai publiées sur ma chaîne NBA 2K13, Harry Potter 6 qui est maintenant uploadé normalement. Là, il est en cours du upload. Le Four Man Battle Royale avec un habit spécial de champ. Et j'ai au moins 12 vidéos à faire aujourd'hui sur le catch. Voilà, je vais faire 12 matchs que je vais enchaîner. Et j'ai 2 autres matchs qui m'ont été proposés par Seize HD, donc dédicace à toi l'ami. Et par un autre youtubeur, je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est du tout. C'est qui déjà? Attendez, ça va me revenir juste le temps que mon cerveau, parce que j'ai un cerveau un peu moins que un peu moins bien que le tien. Attendez, ça va me revenir. J'ai une mémoire de merde à un niveau, oh là, intergalactique quoi. Attendez, oh punaise, je sais plus. Ça va Marc? Elle est bébé depuis des années quoi, hein. Depuis 1980 elle est comme ça, hein. Allez comprendre pourquoi, il y a eu un problème psychologique, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais elle a voulu rester enfant, elle s'est dit: moi papa je veux rester petite, comme ça je pourrais manger des bières avec toi. Bière petite. Je me comprends. Donc voilà les amis, on est sur Need for Speed Hit'n'Run. Alors Need for Speed Hit'n'Run, jeu développé par Homer Simpson. Donc c'est un jeu Need for Speed Hit'n'Run, c'est pour moi un GTA bis, sauf qu'on peut pas utiliser d'armes pour frapper les gens. Mais voilà, on peut vraiment se taper vraiment de grosses barres dans ce jeu. C'est vraiment un jeu qui m'a bercé. Je l'avais avant sur j'avais ce jeu sur GameCube, je me souviens à l'époque. Et bon, je m'étais vraiment fait de super bonnes parties, j'y jouais tous les jours quasiment. J'étais vraiment à fond dessus, j'étais allé très loin. Bon, maintenant ça monte. J'avais 7 ans hein, quand j'ai joué à ce jeu. Maintenant je me souviens plus du tout. Ça a bien changé. Enfin, je me souviens plus du tout des missions et tout. Donc ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver sur ce jeu. Et un truc que j'aimais beaucoup sur ce jeu, c'est le fait que Homer parle et tout souvent et qu'il te raconte des conneries. Et je rigolais vraiment bien là-dessus, je me tapais vraiment des grosses barres quand j'étais petit. Donc j'espère que vous allez rigoler pendant cette vidéo, que vous allez aussi également vous taper des barres. Et voilà, vous voyez déjà juste le menu principal est vachement bien fait. On voit sa fille arriver, on voit Homer qui allait se réveiller à 2 secondes. Là, on a vu un mec tout à l'heure par la fenêtre et tout. Et c'est vachement déjà... Ça vous met vachement bien dans l'ambiance. Donc les amis, on va partir, on va commencer. Attendez, juste réfléchis. C'est qui lui maintenant? C'est un médecin? Putain, mais il y a tout le monde qui vient ou quoi? Putain, imaginez, vous êtes tranquille dans votre maison, t'as un mec qui vous regarde par la fenêtre toutes les 2 secondes quoi. T'as ton médecin, t'as ton dentiste, il vient: salut, ça va? 2 secondes après, t'as ton frère: salut, ça va? 3 secondes après, t'as ton cousin que t'as pas vu depuis des années. Et tu l'as pas vu depuis 20 ans et il vient et il te fait: hey, salut poteau. Bon bref, je pars dans un délire total là. Et bon, en tous les cas, voilà, donc on est parti sur Need for Speed Hit'n'Run. J'ai pété un câble ou quoi? On est parti sur Les Simpsons, Hit'n'Run dans 3, 2, 1, let's Simpson s'exprimer. Le cola nouveau et amélioré est fait avec les sucres et les eaux les plus raffinés. En plus, il y a un ingrédient trop épineux pour le ministère de la Santé qui te donnera la pêche pour faire tous les trucs pathétiques que tu dois faire. Et c'est le cola nouveau et amélioré.
Du cola. Il faut que j'aie du cola. Oh putain, Homer, il me rendra toujours oups, ce mec. Oh là 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 là. Quoique, des fois, je me demande si j'ai pas pareil que lui, mais bon, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Je vais essayer d'être sérieux dans cette vidéo, pas trop faire le con. Quoique, si, je pense qu'à un moment donné, je vais péter des câbles. Bon, bref, c'est pas grave. Ok, utiliser ZZ pour se déplacer, d'accord. Parler à marche, ok, donc ça c'est pour se déplacer, sauter. Ok, frapper, c'est quelle touche déjà? Frapper, ok. Attends. On va lui faire attendez. Allez, tiens. L'homme qui vole, I believe I can fly. Mais attendez. Sans mes fesses, cochon. Hors de mon chemin, macaque. Homer Simpson, le meilleur du monde, je vous jure, j'ai toujours juré. Nos problèmes, ça devrait guérir vite. J'en veux plus de ce mec. Mon problème, ça devrait dire guérir vite. Oh là là, c'est vraiment un grand fou. Donc, je ne vais pas faire la première mission. Je compte vous faire un let's play sur ce jeu. Après, à vous de me dire si ça vous plairait ou pas. Tu utilises des pièces pour acheter. Ok, ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'au bout de 100 pièces, on va essayer d'attraper 100 pièces. C'est le but de cette vidéo. Attraper 100 pièces dans cette vidéo découverte. Vous inquiétez pas, on va le faire. Ok, nickel. Là, trouver les cages. Entrez. White. Ok, d'accord, pourquoi pas. Hein. Attendez, on va attraper le buzz cola. Ah merde, attendez. Ah, ça c'est chaud avec le clavier. Ok, c'est bon. Un message obsessionnel. Alors donc on a ramassé ça. Maintenant faut quoi d'autre. Par contre la caméra, enfin elle est pas au top quoi. C'est quoi ça, faut l'éclater aussi. Hein, White. Puis sur action. Ok, d'accord. Désolé. Merci, ok, c'est cool. Pourquoi pas, hein. Allez, on y va. Allez, on va faire un petit tour de bagnole. On peut passer par là. Ouais, cool, bien. Au moins, ça prouve que c'est bien fait. Bon, attendez, on va finir de ramasser les petites pièces là, vite fait. Les pièces à ramasser. Donc tout ce qui est ramassage de pièces. Donc là, on va ramasser aussi là. Putain, on est chez les voisins. Full bull, c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais. Hein. Le mec il me parle d'église, il est où le rapport frère? Ah oui, faut tuer les abeilles, ça nous apporte grave des pièces. Attendez. Merci. Putain de merde, ouais bien. 32, au bout de 100 pièces je crois qu'on peut avoir Homer Simpson en slip. Donc on va arriver à 100. Putain de merde, ouais. Ça fait plaisir ça. Tac 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 tac. Attendez, tac tac. Tac 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 tac. 76. Ok. 90 100, ok nickel. Donc là on va aller directement chez Po. Donc on va se faire plaisir, vous allez voir, on va se faire notre petit kiff de la vidéo. Putain merde, pourquoi tu parles pas? En général tu parles tout le temps. Je m'ennuie moi, parle s'il te plaît. Viens, on fait une conversation ensemble. Et Homer, tu sais que je t'aime bien, tu sais que je te suis depuis longtemps, hein. Tu sais, j'ai regardé ta vidéo là, saison 1 épisode 3. Je l'avais kiffé celle-là, hein. Ça remonte un peu, mais c'est vrai que j'avais bien aimé. Franchement je te trouve vraiment bon. Je trouve que t'es un mec qui est très charismatique. Je te trouve vachement bien. Tu sais que moi des fois je suis comme toi, hein. Des fois les gens ils comprennent pas, des fois je pars dans des délires pas possibles, hein. Tu sais que moi quand j'étais petit j'ai versé du Coca-Cola sur ma mère, sa mère. De châtiment karmique. Allez, fais nous rire là. Allez, Homer là, pour la vidéo, frère là. La conduite irresponsable, c'est ma bête noire. moi aussi, c'est ma bête noire. Moi, c'est ma bête verte par contre. Attendez, on va aller. On est où là? Tac, 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 c'est où? Where is it? Ok. Utiliser les clés pour réparer la voiture. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'ai complètement oublié ce truc. Tac, tac, tac. Attendez, moi j'aimerais bien aller chez Po. Donc on va aller chez Po, dégagez. Connard. Allez, on va aller chez Po. On go chez Po. Ah, ça on l'avait remarqué. Fouini est propriétaire, Simpson. Homer est propriétaire. Homer est propriétaire. Oh, pinaise, excusez-moi. Tu es un fou du volant et tu vas vite le découvrir. Adieu, mon
Putain de merde, les flics de merde. Attendez, on va passer par là. Attention, Luncha Lula Style. On va passer par là direct. Hop, hop, regardez, c'est qui le professionnel de la voiture? C'est moi, c'est pas moi? Tiens, tiens. Me fais pas un procès. Allez, flic versus me. Encore? J'ai wow. pas d'assurance. On y va. Oh là là, Homer Simpson, c'est trop un fou mental dans sa tête. Donc ça, c'est l'école là-bas, je m'en souviens. Même que quand on rentre dedans, on peut faire sonner l'alarme et tout, c'est trop fort, c'est juste trop fort. Attends, d'ailleurs, je viens, on fait une course, les amis. Putain, vous avez vu toutes les bières qu'il a derrière? C'est pas ma faute. Excuse-moi. Attendez, je sais ce qu'on va lui faire. Il faut que j'aille au cabinet. Oups. Salut, petit ange, ouais. Fils du chef de la police. C'est gentil, homme-femme, mon nom est juge de la course. C'est des cheveux, ça? Putain, ça fait peur, hein. C'est une bête de vitesse impitoyable. Vous allez voir comment je vais les rattraper. Nique ta mère, toi, dégage, oh, connard, va. C'est qui le papa? Hein? C'est qui le professionnel, là? C'est Bibi, hein? Nice, je vais tomber mon kebab. Le mec, il parle de kebab en pleine course, quoi. C'est comme si que moi, je conduisais au maire et que je disais « Oh, punaise, j'ai oublié mon ketchup !» Bah, allez, je passe par là. Allez, dégage, connard, va. Laisse-moi passer. Putain, je crois qu'il a pris un raccourci, cet enfoiré. Ah bah oui, c'est ce que je me disais. Non, c'est pas grave. Dégage. Je crois d'ailleurs il a la, une bonne voiture lui. Enfin, j'aime bien sa voiture, moi. De quel tous les cas. T'es nul, je suis super. À cause de toi, je suis vénère. C'est pas grave, fait ça. Depuis quand il fait des rimes? Mais bon, c'est pas grave. Putain, j'aurais dû prendre le raccourci, fuck. Putain, je pense pas aller prendre, c'est un truc de ouf. Allez, on fonce. Putain, je suis bon, hein. Eh, hey, mais vas-y, je suis un trop bon conducteur, c'est un truc de fou. Oh punaise. Allez, gauche, 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 gauche. Allez, Homer, allez, Homer, allez, Homer, tu vas gagner. Allez, Homer, tu vas gagner la Coupe du Monde 2006. Allez, Homer, Zimden, Zimden, il est à côté de toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, Homer, allez, Homer, allez, Homer. Allez, Mero, allez, Mero, allez, Mero, allez, Homer, allez, Homer. On passe par là, on passe par là, on passe par là. Wow. On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Ça sent la victoire à plein nez. Et attention, et le vainqueur. C'est et voilà. Pire que quand Jujube a mangé mon chat. Tout le monde est nul sauf moi. Alors en même temps, t'es le meilleur Homer. Que tu qu'il fasse contre toi. Voilà, on va pas faire l'émission, les amis. Juste du fun. Attends, je vais me mettre un coup de tic. Moi, Dieu est de plus en plus furieux. Il est sérieux. Tiens, on fait du kickboxing, les amis. On va faire ça. Techniquement, tu seras mon petit ami. Tiens, connasse, va. Et qu'est-ce que tu me dis, toi? Mais tu te prends pour qui? Mais tu te prends pour qui? Oh putain, merde, faut que je fasse gaffe. Bon, allez, attendez, on va voir. Allez, faut que j'aille chez Po. Il faut que j'aille chez Po. Allez, rentre dedans. Dégage. Allez, on va voir. Marche, elle est où en fait? Marche. Ah oui, ça me dit un truc à l'intérieur. Si, c'est chez l'autre là. Ah ouais, cool. Attention, on va réparer sa bagnole en même temps. Voilà, nickel chrome. Salut connard, tiens, bonjour. Springfield? Non, c'est pas la pire ville, hein. Moi je connais pire. Va à Paris, tu verras. Dans la ligne 4, s'il te plaît, on en parle même pas, quoi. Prends le métro, la ligne 4, tu vas comprendre c'est quoi la pire ville. Attends, faut que je. Ah oui, putain, merde, c'est vrai que j'ai perdu de l'oseille à cause de l'autre là. Moi, du coup, je vais en profiter pour. Attendez. Attendez. Je sais ce que je vais faire, tac, tac. Hop, mais, ah, voilà. Là, on va aller là. Attendez. Ah, merde, putain, c'est vrai qu'il m'électrocute, ces enfoirés. Voilà. Tac, 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 90, voilà, c'est bon, j'en ai 100. Donc, tac, ce que je vais faire là, voilà. Donc, ouais, donc je disais, va dans la ligne 4, tu vas voir c'est quoi la pire ville de Paris. La ligne 4, tu trouves des spécimens, hein, j'ai juré. Hein. La dernière fois, j'ai pris la ligne 4, je suis tombé sur quoi? Un mec habillé en sac poubelle. Je jure que c'est vrai, en plus. Bon, ouais, c'est pas grave. Chez Po, c'est où déjà Po? Elle est où la fucking maison de Po? Attendez, on va passer par là. Attention! Yeah!
Elle est où la fucking... Je sais plus où c'est chez Po, moi. Putain, avant j'y allais souvent en plus. Allez, encore un saut. Oh yeah, baby. Oh, il y a 10 manèges. Ben voilà si tu fais mieux. Oh putain de merde. Et voilà, c'est bon, ça c'est fait. Allez, on va voir Marge. Enfin, on va voir Marge. Du coup, attendez. Ça c'est par là. Yes, yes, yes. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai toujours kiffé. Putain de merde. Pourquoi je confonds avec Need for Speed, quoi? C'est incroyable, je confonds ce jeu avec Need for Speed. Need for Speed. Peut-être parce qu'il y a avec les voitures, pour autant je devrais le confondre avec GTA, avec Need for Speed. Mais bon, c'est pas grave. C'est un jeu que je kiffe vraiment dans le sens où il y a vraiment énormément de délire. On peut vraiment passer du temps dessus à rigoler. Moi, j'ai passé des heures et des heures dans ce jeu. Parce que c'est un jeu qui m'a plutôt bien bercé quand j'étais plus jeune. Et c'est un jeu que j'ai toujours kiffé, tout simplement. Donc là, on va... Po, il sait où déjà chez Po? C'est par là, je crois. Attendez, on va essayer d'aller chez Po. Chez Po, c'est par là. Il me semble que c'est par là, en tous les cas. Trouver la maison, enfin, trouver l'endroit où il y a Po, quoi. C'est où? Putain de merde, les keufs, Tiens, vous m'aurez pas. Je vais les faire balader, vous allez voir. Voilà. Ah, exactement, c'est la faute de la société. Ouais, exactement, c'est des gros nulos, des gros nulos. Regardez comment je les balade. Exactement. Putain, je vais me faire arrêter là, une extrémiste. Oh putain de merde. Il me reste 163, ça va. Putain, ouf, j'ai de la chance. Bon, je vous propose qu'on fasse la première mission avec sa femme. Comme ça, on pourra directement aller chez Po et changer de fringue en même temps. Donc, on va faire la première mission, la toute première mission. Voilà, juste pour le petit kiff, puis au moins. Ah voilà, désolé. Ça c'est mon petit kiff toujours. Allez, on y va. Coucou, copine. Mais viens là. Mais viens là. Oh. Et voilà. Sur tes gros cheveux bleus là, chelou là. Allez, on va. Merde. Quelqu'un a mangé tous les desserts qui étaient à la maison. J'ai besoin que tu ailles au magasin acheter de la glace avec des tartes miniatures à l'intérieur. C'est sûrement dû à un homme, probablement Milouz. Ouais, c'est, je pense pareil que toi, c'est Milouz. C'est Milouz, Homer. Je suis d'accord. Putain, mais je kifferais avoir une femme comme vous. Vous vous rendez compte comment il est, Homer, avec sa femme? Et sa femme, elle dit rien, quoi. Elle est trop gentille avec elle. Elle est trop gentille avec lui, c'est un truc de ouf. Le mec, il tape pas déjà. Hein? Et quand je pense que je regarde ce truc-là depuis tout petit, et le mec, je l'ai jamais vu travailler, jamais vu Homer travailler, il est toujours parti dans des délires de ouf. Et quand on est grand, on nous demande de travailler. Alors, regardez comment Homer est, regardez l'exemple qu'on nous montre. Mais c'est bizarre quand même, non? L'exemple d'Homer, et ensuite nous. Attends, ah oui, c'est vrai, c'est là. Putain, j'avais complètement oublié. C'était là. Putain. Moi aussi, ça me chatouille les pieds. Donc là, on va sortir. Alors, déjà, ce que je suis sûr, c'est qu'on peut aller en haut. Il y a le jardin, donc de. Bah, si vous connaissez les Simpsons, normalement vous connaissez. Sinon, il sait qu'il y a un problème. Sacré problème, je dirais même d'éducation, hein. Donc là on va monter. Attendez. Donc là, appuie sur action. J'espère que ne pas appuyer veut dire appuyer tout de suite. Donc là on monte, voilà. Tac. Oui, je vole comme un emballage de bonbons dans un courant d'air. Ok, pourquoi pas. Moi j'aurais dit tu voles comme des tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu vois, comme des tic-tac. C'est bien les tic-tac comme merde. Moi je dis tu voles comme les tic-tac. Tic-tac tu craques, tic-tac et il craque pas. Allez, lui il va m'électrocuter sinon. Voilà. Putain, là je suis blindé, hein. Je suis refait, la famille, je suis refait. Donc là on va monter en haut parce qu'il y a encore des pièces. Donc pourquoi pas ramasser toutes les pièces qu'il y a. Voilà. Eh pire. Donc là on va casser ça aussi. J'ai toujours voulu monter sur ça mais j'ai jamais réussi. Mais bon, c'est pas grave. Il buzz cola je crois. Non, j'ai tout pris, c'est bon. Ok, nickel. Allez, on va chez mon ami Po. Mon ami Popo. Coucou Po. Ça va bien? Eh, hey, Pou, donne-moi un cola et un autre pot de glace avec des mini-tartes dedans. Qu'est-il arrivé à la glace avec les mini-tartes que votre femme a achetées ce matin? Oh, je l'ai sûrement mangé, j'ai pas une très bonne. Ah, génial. Ouais, faut pas le refaire. Retourne à la maison et parle à maman pour commencer ta mission suivante. Attends. Félicitations, Homer, mission réussie. Elle m'a demandé d'aller faire des courses et il me félicite d'avoir fait des courses. Oula, la famille est un peu étrange.
Salut toi. Ce qui est bien là, c'est que vous voyez là, il y a le clown, mais il y a toujours des animations. Genre en général, il y a deux gosses qui se frappent et tout. C'est plutôt pas mal. Il y a un autre truc que j'aime bien faire, c'est ça. Voyons, qu'est-ce qui t'entraîne, mon palais délicat? Cette nouvelle épice glacée fera ressortir l'hindou en chacun de nous. Mon taux de cholestérol est bas. Encore. Oh putain, Omer, il a foutu le spell. Aïe aïe aïe. Et je crois, il me semble même qu'on peut utiliser ça. Ok. Putain, mais c'est un truc de ouf les machines à sous là-bas. Nous, vous avez vu, nous, lui, il a juste à y aller dessus, ça lui donne l'argent. Nous, on galère, on doit mettre notre code. Après, il nous demande de faire un retrait. Après, il me dit, êtes-vous sûr de vouloir faire ce retrait? Tu mets oui. Êtes-vous sûr de vouloir faire ce retrait? Et la machine, elle se dit, vous savez jamais, peut-être il va hésiter ou peut-être il va dire, oh non, en fin de compte, je vais aller manger du pain. Tu vois, voilà, je sais pas c'est quoi le délire de ça, mais bon, c'est pas grave. Et pour changer de fringue, c'est là-bas. Et lui, d'ailleurs, je crois, il fait des animations aussi. Des petits pois congelés. Voilà. Allez, on va changer de fringue. J'ai 200, je suis refait. Je peux tout acheter en fait. Donc ça déjà on va acheter ça. Voilà, il reste 150. Et attendez. Voilà. On peut même acheter d'ailleurs. Appuyez sur action. On peut même acheter l'autre. 125, 150. On peut acheter ça aussi. Je sais ce qu'on va faire. On va jouer jusqu'à ce que j'ai tous les fringues. Tous les fringues, mais vraiment tous. Donc là, voilà. Par contre, je préfère limite en slip. Parce que là, curé, j'aime pas trop. Enfin, j'accroche pas en fait. Attendez. On va prendre celui-là. Voilà, après, on prendra en Big Mama. En Big Mama, c'est trop ça en plus. C'est trop en Big Mama, je vous jure. C'est trop bien fait. Ce jeu-là, c'est vraiment un jeu que je kiffe. Et les gens n'hésitaient vraiment pas à l'acheter. Il est sorti il y a très longtemps sur PC. Et je crois d'ailleurs qu'il est pas disponible sur PC. Donc, enfin, il est disponible sur PC vu que je joue sur PC. Ce que je veux dire dans ce genre-là, je sais pas si vous allez le trouver dans la vente. Donc, je vous invite, c'est au pire des cas, à le craquer. Il est très facile à craquer. Moi, je l'ai craqué. Et oui, je l'ai craqué. Je suis un hacker. Et alors, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Putain, c'est vrai que je peux aussi acheter des voitures. Fais voir les prix des voitures. Déjà, je vais aller faire réparer la mienne. Je pense que c'est le minimum parce que là, elle est complètement KO. Deux pièces, je suis pas allé bien loin. Ok, donc niveau 1. Putain, j'avais celle-là moi. Celle-là, je l'avais, j'en suis sûr. Les autres, ça me dit des trucs aussi. J'avais celle-là aussi, je les avais toutes en fait. Bon, attendez, combien oh, je vais prendre celle-là. Tu peux venir me chercher, je te masserai le dos en échange. Moi, je masserai jamais le dos de quelqu'un. Ah, cool, en plus, il l'a réparé et tout, c'est d'art. Allez, on est parti, les amis. Allez. Je vous propose du coup qu'on s'amuse là, qu'on fasse un peu le tour de Springfield. Comme ça je vais pouvoir un peu plus vous parler. Quoi que je vous parle déjà beaucoup, pas mal. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur ma chaîne, je vous ai prévu plein de vidéos découvertes. Je commence vraiment, comme vous pouvez le remarquer, les jeux vidéo sur PC. Bon, bien sûr, je branche ma de Xbox pour rester, on va dire, sur Xbox. Je suis un gamer principalement en Xbox. Donc après, voilà, mais cette année j'ai vraiment décidé d'être principalementalisé sur PC et sur Xbox 360. Principalementalisé, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer, hein. Ne cherchez pas, il fait pas partie du dictionnaire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah cool, c'est quoi ça? Allez, yeah. Donc, le bruit sera terrible. On peut défoncer ça? Ah, direct. Ah cool, bien. Putain, c'est pratique ça. Allez, on va défoncer ça du coup aussi en même temps. Ouais, c'est voilà. Le bagnole encaisse super bien les chocs. J'avoue, c'est trop ça. Je te jure, c'est trop ça, Omer. Allez, on va aller à droite. Power plant. On va chez les plantes. On va planter. Ouais, je deviens jardinier. Allez, dégage, connard. Va. Voilà. Oh là là, c'est trop fort. Tac, tac, tac. Donc là, on explose ça. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être faire une petite mission. On va se faire un petit kiff. Allez, on va sortir. Allez, fais voir. C'est pourquoi faut aller voir l'autre. Il est où? Il est où le Kunal? Ah, il est là. Mais viens là! Où est le Kunal du Malchant? Où est le Kunal du Malchant? Bah, il est là, le Kunal du Malchant! Voilà. Tiens. Attendez. Super technique! Voilà. Hey, bon, allez, bien. Je vous connais, vous êtes dans mon groupe de soutien des débiles profonds. Je peux vous emprunter votre camion? Groupe de soutien des débiles profonds. Je dois finir mes corvées. Brandine ne me cuisinera pas de tarte de rat ce soir. Ok, Doc, je vais vous aider pour vos corvées de pecno. Vous m'aidez à rentrer toute cette récolte et je vous emmène où vous voulez. Wouhou! Avant tout, je veux que vous alliez à la station service me prendre de ces tubes cartonnés. Je vais bricoler la plomberie. Quand vous aurez fini,
Vous arracherez les plantes de Tomako pour que les jeunes mais je suis pas ton chien. J'espère qu'il paye bien. Moi je veux au moins 300 euros cash là. Enfin 300 pièces quoi. Ça je peux m'acheter la fringue. C'est l'heure de se cracher. Pas tout de suite Homer, pas tout de suite. Là on va faire sa petite mission de merde là. Enfin du moins ce qu'il a demandé à faire. Et après on verra bien ce qu'on fera. Je pense que je mettrai fin à la vidéo juste après. Parce que là je sais pas combien de temps elle va durer. Je sais que pour la vidéo précédente sur Need for Speed sur Need for Speed Most Wanted, elle a pas duré longtemps. Moi je pensais qu'elle aurait duré au moins 40 minutes. En fin de compte elle a duré 20 minutes. Si j'aurais su je l'aurais fait durer beaucoup plus longtemps. Ah ouais d'accord, ça joue avec le temps. Attendez merde. Putain je suis bêtasse. Attendez, oulala. En plus c'est une mission secondaire, c'est pas une mission principale ça. Donc attendez, oulala. Oh putain je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Allez, premier. Ensuite le deuxième. Oh putain de merde. Allez les gens. Allez les gens. Allez, allez, allez. Le deuxième il est là. Putain en plus sa voiture elle est dans la merde. Mais j'ai profond pris un terre. Deux. Voilà. Ensuite j'ai oh putain. Oh putain de merde. Ah il faut absolument une voiture. Allez donnez. Bah oui c'est sûr. Allez. Putain j'ai besoin d'une caisse. Toi t'as une caisse. Je suis obligé de te la prendre frère. Je suis obligé de te la. Oulala attention. Entrez, c'est bon, je suis dans sa bagnole. C'est bon, retourne en arrière, voilà. Vite, 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 dépêche, dépêche, dépêche. Allez, 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 allez. Oh non, putain, mais comme par hasard, fuck dog. Attendez, je peux passer par là? Ah bah oui, voilà, c'est bon. Mais prends-la, mais... Mais fuck! Mais prends, putain, motherfucker. Voilà. Allez, il est où le dernier? Enfin, les deux derniers. Putain, j'ai une minute 20, c'est faisable, je fonce. Comme ça que je suis arrivé. Voilà. Tranquille, calme. Je suis une bête de vitesse. Voilà, pépère. Incroyable. Tac, 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 tac. Allez, on y va. Allez, on fonce. Allez, il est pour moi ce putain de motherfucker de coup de bois. Voilà. Vers quoi maintenant? Allez au champ de tomates. Oh putain de merde. On va au champ de tomates. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. J'ai failli la mission. Je l'ai complètement. Enfin, je même pas, je l'ai failli. Je l'ai loupé, c'est tout. Allez, on a 49 secondes. En 49 secondes, je vais même pas réussir à y aller. Ah putain de merde. Je pense que je vais la recommencer cette mission si jamais il me propose. Sinon, tant pis, hein, les amis. Putain, j'aurais dû prendre le fucking raccourci, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais poussez-vous, mais vous êtes vraiment chiant. Putain, j'ai pas envie de prendre le risque de passer par là. Je vais aller par là. Hop, allez, on arrive. Enfin, du moins, j'espère. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Voilà. Et 16 secondes. Putain de merde, non j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. C'est mort. Je suis le méchant, Homer. Et je kiffe quand il dit ça. Allez, on va aller. Allez, allez, Homer. Rejouer la mission, oui. Je vais la refaire du début. On va la refaire, les amis. Et voilà, là maintenant, on va vraiment se concentrer sur le principe. Les vibrations me chatouillent les pieds. Donc, 1. Nickel. Deuxième. Tac. Allez, troisième. Allez, on fonce, on fonce. On fonce. Oh, joli. Ah, merde, fuck, c'est vrai qu'il est là. Bon, là, déjà, on est un peu plus dans les temps, on va dire. Enfin, du moins, je le pense. Allez, tac, gauche, 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 gauche. L'autre, il a à peu près pareil, enfin, dans la même situation. Tac, tac, tac. Oh, putain de merde. Oh là là. Mais j'oublie toujours de monter sur le truc, là. Je l'ai fait tout à l'heure et là j'oublie. Oh non mais vas-y mais non. Putain de merde. Oh là 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 là. Je vais jamais y arriver, pourtant c'est une mission extrêmement facile. Oh putain de merde. Vas-y mais fuck la voiture quoi. Allez c'est bon. Tac, là on y va. 4, le dernier. C'est faisable. Moi je pense que c'est faisable. Et c'est parti. J'ai perdu les commandes. Allez, on y va. On fonce au champ. On fonce au champ direct. On va peut-être prendre des raccourcis, je pense. Tac. Fasse gaffe aussi à la voiture. Putain de merde, là elle va crever. Là elle va crever. S'il se passe encore un truc, là je vous dis, la voiture elle est décédée. Tite suite, tite suite. Allez. Oh non, mais putain, mais non, mais non. Ah oui, toi t'es là. T'as hop, oh, putain, il me sauve la vie lui. Allez, on y va, 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 on y va. Allez, une minute. 59 secondes pour y aller. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable, les amis. C'est faisable, c'est faisable. Tac, 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 tac. Voilà, hop, hop. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Putain, on est chez des gitans en plus.
Oh putain de merde, je suis dans la merde. Vous savez ce que c'est dans la merde? Putain de merde, non. Oh putain de merde. Non, dans la merde. Tu sais ce que c'est que d'être dans la merde? C'est ça. À moins que j'ai une bagnole qui pourrait me sauver la vie. En 20 secondes, je ne pense pas. Hein? Quoique. Oh! Cool! Allez, allez, on y va. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh putain de merde. Allez, on rejoue. Allez, là, je la refais bien. Là, je vous la refais bien. Là, nickel chrome. Allez, les amis. Kickboxing, hop, street. Je mets des coups de poing sur l'écran là. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Allez, applaudissez-moi, félicitez-moi, félicitez-moi tous. Et voilà, applaudissez-moi devant votre écran et criez Sergent Toxique, c'est le meilleur pour ce, les deux dans le jeu vidéo. Sergent Toxique, c'est le meilleur dans le jeu vidéo. Et là, c'est parti, je suis chaud. Oui, la vieille cabane, le temps de chargement est extrêmement long. Je pense que je vais devoir mettre fin à la vidéo maintenant. Trouver les tubes en carton et récupérer les tomates de Kulletus en moins de 30 minutes 30. J'aurais pu le faire là, hein, mais bon, j'ai merdé vers la fin. Bon bah ça bug, hein. Bon bah je pense que je vais mettre fin à la vidéo maintenant. Donc voilà les amis, prenez bien, donc voilà, on était sur Need for Speed, Need for Speed, putain ça m'énerve. On était sur Les Simpsons Hit and Run, donc c'est un genre de GTA Beat, GTA Light, comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo. Donc là ça rame, ça va pas revenir, donc tant pis. De toute façon c'était vraiment une vidéo découverte, là je pense avoir bien fait le tour de la ville. J'ai fait une petite mission secondaire, voilà, je vous ai mis dans l'ambiance. Après si vous voulez le jeu, je vous invite à le craquer parce qu'il doit être très dur à trouver maintenant en téléchargement légal, bien évidemment. Et puis voilà, tout simplement les gens, prenez bien soin de vous, à la prochaine, salut tout le monde.